Bonjour à tous, nous sommes heureux et ravis de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes dédié aux nouvelles exigences de l'analytique parmi lesquelles le Natural Language Processing figure en bonne place pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Autrement dit, comment faire évoluer la BI pour l'apporter au plus près des nouveaux usages très user-centric. Durant ce webinaire, nous reviendrons sur trois éléments. Tout d'abord, décrypter quel est le paradoxe de la BI entre une difficile mise en œuvre et des innovations très fortes, ainsi que des attentes métiers toujours plus pressantes. Ensuite, nous partagerons une live démo avec la réalisation d'une application NLP sur plus d'un milliard de lignes dans le cloud. Et enfin, nous partagerons les bonnes pratiques à retenir. Bien entendu, vous pouvez nous partager vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de session. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter notre panel d'experts aujourd'hui, à commencer par l'équipe Business et Décision avec Cyril, Albin et Fabrice, et l'équipe Indexima avec Nicolas et moi-même. Démarrons et commençons par partager ensemble quels sont les freins que rencontrent les utilisateurs BI aujourd'hui avec ces fameux dashboards qui restent quand même relativement statiques. Gartner, d'ailleurs, indique que le nombre de projets BI échouent jusqu'à hauteur de 60%. Et parmi les éléments qui expliquent ces difficultés, le premier est la rigidité des systèmes qui n'offrent pas une flexibilité suffisante concernant l'usage des KPI et nourrissent généralement une difficulté de communication entre les deux parties prenantes, que sont les équipes IT et les équipes métiers. Le deuxième point de blocage et la multiplicité des environnements BI au sein des organisations. On compte en moyenne quatre outils de restitution dans les organisations, ce qui entraîne une démultiplication des données et assez souvent une inconsistance des analyses. Le troisième facteur, c'est l'héritage du legacy au sein des organisations qui contribue directement à la multiplication des silos de données. Et enfin, pas des moindres, la notion de retour sur investissement des KPI issus des projets analytiques, ça reste un élément qui est toujours très difficile aujourd'hui à mesurer. Donc, pour autant, bien qu'on annonce la fin du dashboard statique, les environnements BI sont aujourd'hui des environnements extrêmement dynamiques sur lesquels se multiplient les innovations comme le NLP. Et les entreprises sont particulièrement demandeuses, ont de vrais problèmes à résoudre. Donc, la question que je souhaite te poser, Cyril, est de savoir quelles sont les pistes pour faire évoluer la BI et la porter au plus près des nouveaux usages très user-centric. En effet, Laetitia, bonjour à tous. Donc, Cyril Lebrun. En effet, malgré toutes ces difficultés, on voit qu'aujourd'hui, hein, selon l'étude qui est à l'écran, on voit que l'analytics et l'intelligence artificielle arrivent quand même comme les numéro 1 et numéro 2 des priorités sur les changements technologiques qui vont permettre de pouvoir émerger plus fort de cette crise du Covid-19. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur un choix technologique qui est beaucoup plus vaste, innovant, qui va permettre de répondre à la multiplicité des usages. On a aussi le cloud, hein, le cloud public, qui permet d'offrir des capacités plus élastiques, que ce soit en termes de volume et en termes de performance. Et le dernier point, c'est de démocratiser la donnée en facilitant et en humanisant l'usage. D'où le thème d'aujourd'hui, hein, de parler du NLP, qui fait partie justement de ces moyens qui vont permettre de faciliter l'usage. Mais derrière tout ça, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Et pour ça, je vais me retourner vers Fabrice. Fabrice, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les bonnes pratiques autour de l'analytics? Bien entendu, si je devais parler des bonnes pratiques à conserver dans la ligne de mire, j'en citerais principalement trois. La première, c'est de réduire le délai entre la demande de mise à disposition d'un jeu de données et le moment où celui-ci est effectivement disponible à l'analyse. Le second, c'est de s'assurer de la célérité de réponse des outils lors de l'accès aux données. On parle parfois de zero time to data. On adresse alors à la qualité de service. Et dernier point, l'optimisation des coûts. C'est un élément essentiel à considérer afin d'évaluer le ROI. Donc, le coût de mise en place d'une solution doit être compensé par les économies d'échelle réalisées, que ce soit sur l'infrastructure, en réduisant le temps process dans le cloud et par conséquent les coûts associés, sur les devs, en limitant les optimisations techniques au strict nécessaire, ce qui a un impact direct sur la charge allouée à la data prep, et pour le métier, en réduisant le temps d'attente lors des analyses.
faut savoir que 6 minutes d'attente en moins sur une heure, c'est tout de même 10% de productivité de gagner. Pour illustrer ces nouveaux besoins, je vous propose une démonstration basée sur l'utilisation d'un outil de database qui s'appuiera sur une table comportant un volume conséquent en termes de lignes de données. Pour ce faire, le premier travail consistait à collecter un grand nombre de fichiers composant près de 30 années d'historique de données sur l'ensemble des vols effectués par des compagnies aériennes aux États-Unis. La modélisation de ces données reste assez classique, hein, c'est basé sur un schéma en étoile avec une table de fait énorme et une multitude de tables de référence en périphérie. Dans un second temps, nous avons chargé ces données telles quelles dans un data warehouse sur le cloud, sans effectuer la moindre modification, aucune data prep. Donc la donnée brute est chargée à l'identique et aucun travail supplémentaire n'a été entrepris. Donc les données sont désormais disponibles dans notre data warehouse et j'ai donc passé la main à Albin sur la partie DataVise afin de lui permettre de procéder aux analyses qu'il souhaite mener sur ce jeu de données. Merci Fabrice. Albin. Effectivement, je vais prendre la main et je vais vous présenter un petit peu le dashboard qu'on a réalisé sur ce cloud data warehouse qui contient 1 milliard 500 millions de lignes. Donc, je me suis intéressé aux données que m'avait transmis le métier autour de ça. Donc, il voulait analyser le délai. Donc, le délai, quand on entend délai, c'est le délai à l'arrivée et au départ. Donc, le retard que peut avoir un avion sur différents vols entre un point A et un point B. Et donc, il voulait pouvoir, pour chaque destination, observer le retard à travers le temps et identifier également les vols qui avaient le plus de retard. Donc là, on voit un dashboard où on retrouve le nombre de vols dans la sélection. Donc, on retrouve bien les 1 milliard 500 millions de lignes et les différents retards qui étaient affectés au départ et à l'arrivée. Là, pour l'instant, on est sur l'ensemble des lignes. Et quand je vais filtrer, je vais par exemple sélectionner une ville un petit peu au hasard, par exemple Atlanta. Donc, je viens sélectionner Atlanta et là, le dashboard met un petit peu de temps à répondre. Donc, sur 1 milliard 500 millions de lignes, il va mettre environ 20, 25, 30 secondes à répondre, ce qui, pour un dashboard sur autant de lignes, est assez correct, parce qu'on a plutôt tendance à avoir des temps de réponse sur ce nombre de lignes exploser très rapidement. On a plutôt tendance à faire des data marks pour accélérer un petit peu la réponse des dashboards, parce qu'on sait très bien que nos utilisateurs n'aiment pas attendre. Donc là, typiquement, un dashboard qui met 36 secondes, 40 secondes à répondre à chaque clic, eh ben, ça va poser problème. Donc, on va peut-être attendre quand même qu'il réponde. Normalement, il est un petit peu plus rapide que ça, mais ça devrait arriver. Toujours est-il qu'on voit effectivement que ça ne va pas être optimum pour nos utilisateurs métiers. Donc, est-ce que Fabrice, tu aurais une solution à me proposer pour optimiser un petit peu tout ça? Bon, Albin, je te dirais que dans ma prime jeunesse, je pouvais passer 20 minutes à contempler des petits cubes colorés se déplacer pendant une défrag Windows. Bon, mais à cette époque, je n'étais pas forcément soumis aux mêmes contraintes de productivité. Et puis j'avoue qu'il y avait un côté ludique à essayer de comprendre comment était structuré l'algorithme du défragmenteur. Bon, j'ai plus forcément la même patience aujourd'hui et accepter des délais de plus de 10 secondes sur une sélection dynamique, je pense que là, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai plusieurs options en effet. Alors, je vais te rendre la main pour que tu nous présentes tout oui, ça. Oui, ce serait peut-être un peu mieux. Voilà, en effet. Donc, en termes d'options, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, option A. La base de données a été implémentée par une équipe armée d'une boussole et d'un couteau. Alors là, ça va devenir un peu compliqué. Je crois que tu ne souhaites pas forcément entendre ce que je pourrais te dire. Alors, on va passer directement à l'option B. Alors, imaginons que la base ait été implémentée selon les règles de l'art, en intégrant par exemple des partitions, de leaky partitioning, des bitmap index, des join index, des function index, des bitrate index. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu trop technique. On va dire par des équipes pour lesquelles les mots plan d'exécution, nested loop ou ajoin font sens. Alors, je peux essayer d'énicher un expert sur la base de données, un DBA, qui va tenter d'optimiser certains paramètres du moteur afin de gagner un peu en vélocité. Mais je ne pense pas que ça suffira. L'autre option, plus classiquement, quelque chose d'éprouvé, ce qui marche très bien, tout le monde le fait aujourd'hui, j'ai la possibilité de dénormaliser la structure en préparant la donnée, en la segmentant, en préagrégeant certains indicateurs. En plus, bon, on a la chance d'avoir des équipes data qui travaillent en mode agile. Alors, on met ça en priorité dans le backlog, on teste là et dans 3 semaines, tu pourras en fait jouer avec tes données. Et si tu constates encore des ralentissements, on passera par d'autres itérations. Mais dans tous les cas, si tu souhaites optimiser tes requêtes tout de suite,
aucune de ces options ne conviendront. Alors, je vais te proposer une alternative. Moi, je m'intéresse depuis quelque temps à une solution innovante qui s'appelle Indexima. Et il est fort probable d'ailleurs que je serai tout aussi capable d'optimiser une base de données développée par l'équipe que j'ai citée dans l'option A, tu sais, avec la boussole. Donc, pour comprendre un peu comment marche Indexima, sa logique, c'est de tracer l'intégralité des requêtes effectuées entre les outils de Databiz et les sources de données afin de prédire l'usage en s'appuyant sur de l'IA. On ne parle pas de deux ou trois requêtes, là, on parle de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de requêtes. C'est-à-dire les requêtes, toutes les requêtes qui ont transité depuis un jour, depuis un mois, voire depuis trois mois. Indexima va ensuite créer des mécanismes d'optimisation de manière totalement automatique en utilisant majoritairement une technologie de type in-memory, ce qu'on appelle en fait les Smart Hyperindex. Une grande partie des requêtes ensuite va pouvoir bénéficier de ces améliorations avec des ratios en fait de l'ordre de 500 à 1000 en termes de gain de performance. Bien entendu, Indexima va optimiser l'usage de la mémoire afin de limiter son empreinte sur les ressources machines. Donc, si on prend la situation actuelle, tu as ton tableau qui est connecté en direct dans le cloud avec 1,5 milliard de lignes dans ta table de fait. Moi, ce que je te propose, c'est d'interfacer en fait Indexima entre ton outil de Databiz et ton cloud data warehouse. Alors, je te propose de te montrer comment implémenter ton cas d'usage en temps réel dans Indexima. Alors, Nicolas, tout à l'heure, j'ai évoqué les partitions. Alors, on va sortir un petit peu de ces terminologies barbares et je te propose de nous mettre tout cela en musique. Avec plaisir, Fabrice et Albin. Albin, je te propose qu'on accélère drastiquement le dashboard que tu as préparé. Et pour faire ça, comme le disait Fabrice, on va installer Indexima entre ton cloud data warehouse et ton dashboard. Alors, pour faire ça, rien de plus simple. Tu m'as partagé tout à l'heure tes login password à ton cloud data warehouse. Ce que je vais faire, c'est que je vais me brancher sur le cluster Indexima de Devo, qui est un tout petit cluster avec uniquement deux nœuds. Et sur ce cluster, je vais déclarer les tables que tu utilises dans le dashboard. Donc, c'est parti, on va déclarer. Donc, je vais me connecter à la même data source que toi. Et là, en cliquant sur Connect, en fait, ce qui se passe, c'est que Indexima demande à quelle table tu as accès. Donc, on peut naviguer dans ce catalogue et en fait, on peut tout simplement sélectionner toutes les tables que tu souhaites utiliser dans ton dashboard. Je clique sur Create et j'ai fini. Je viens de déclarer tout ce qui était nécessaire à Indexima pour que, Albin, tu puisses avoir une expérience ultra rapide. Maintenant, il reste un petit test et ce geste-là, on va le faire sur ton poste. D'accord. Bon, bah, je reprends la main et puis on va essayer de faire tout ça à ce moment-là. Donc, si je reviens sur mon dashboard qui a décidé de revenir donc, et que je resélectionne une ville juste avant de faire le petit changement, parce que je crois que tu m'as créé une connexion dans Tableau, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Comme tu m'as créé une connexion dans Tableau, je vais reprendre la main sur mon poste et je vais changer la connexion pour aller de la source Data Warehouse vers Indexima. Donc, je reprends la main et je vais faire cette petite modification de manière très rapide. Donc là, il y a un petit rafraîchissement qui se passe avec l'ajout de Appleton dans le dashboard. Donc, on voit qu'en 25 secondes, le dashboard est revenu et a ramené Atlanta et Appleton. Donc maintenant, je vais pointer vers Indexima. Donc pour ce faire, je vais rentrer un petit peu et je vais faire un changement de connexion. Donc on va venir cliquer sur notre connexion et on va lui demander de changer la source. Donc, remplacer la source de données et on va désormais pointer sur la connexion Indexima que tu m'as mise à disposition directement dans Tableau. Donc, je fais OK et je retourne voir mon dashboard. Et donc là, avec les actions que tu as menées, tu me dis que normalement, ça devrait être plus rapide. C'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va quand même falloir, parce que ce n'est pas magique, il va falloir que tu apprennes au moteur Indexima quels sont les patterns d'usage dont tu as besoin. Là, on est parti d'une table totalement vide. On est parti de structures sans aucune information. Tu as vu, j'ai fait trois clics. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas interagir avec ton dashboard une première fois, puis une deuxième fois, et on va regarder comment ça se comporte. D'accord. Donc, si j'accède au log que tu m'as fourni tout à l'heure, qui me permet de voir un peu tout ce qui se passe, de voir les requêtes passer, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ça. Est-ce que tu peux choisir une autre ville encore? Non, je vais faire ça tout de suite. Donc, New York, ou même on va prendre Alpena par exemple.
si tu veux, je sais pas. Effectivement, je vois d'autres requêtes passer de l'autre côté et les temps de réponse ne sont pas accélérés pour l'instant. Donc, effectivement, ça correspond à ce que tu viens de m'expliquer. En fait, pour l'instant, tant que les structures Anaxima ne sont pas optimisées, eh bien, ce qui se passe, c'est que tes requêtes sont pas vraiment traitées par Anaxima, mais juste interceptées. Et Anaxima, n'ayant pas la réponse, redélègue à ton Cloud Data Warehouse. Donc, au final, les requêtes sont aussi rapides qu'avec ton Cloud Data Warehouse. D'accord. Et ce qu'on peut même voir, c'est que bah, en ce moment même, le moteur, grâce aux premières requêtes que tu as générées, est en train de créer des index. Il est déjà en train d'optimiser les patterns d'usage qu'il a vu passer depuis que tu joues avec le dashboard. Donc, d'accord. Est-ce que tu peux cliquer sur un des selects ? Celui-ci, par exemple. Ce select qui dure 7 secondes. Eh bien, en fait, quand on regarde External Source Details, donc c'est un select qui a été envoyé par Tableau. Hein, et c'est typiquement une requête SQL envoyée par Tableau sur le dashboard que tu as là. Et si tu cliques un petit peu plus bas dans l'interface graphique, dans External Source Details, eh bien, on peut voir qu'en fait, cette requête a été déléguée et que sur les 7 secondes d'exécution, bah, il y a 6 secondes et 500 millisecondes qui ont été déléguées à ton Cloud Data Warehouse. Tout ça, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, Anaxima se positionne en pure proxy. Le temps d'optimiser tes patterns de requêtes. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'activité. Donc, je t'invite à cliquer à nouveau dans ton dashboard et on va apprécier pour voir s'il a fini d'optimiser ou s'il y a encore éventuellement une optime à faire. D'accord, bon, on va aller voir Baltimore, du coup, dorénavant. Alors, effectivement, ça a l'air d'être passé très vite. Là, je vois des requêtes qui sont passées en 7 millisecondes et effectivement, mes informations sont passées. Alors, juste pour que ce soit plus clair, je vais tout désélectionner et sélectionner uniquement New York. Alors, même quand je sélectionne tout, c'est assez impressionnant, ça revient automatiquement. Alors, je vais sélectionner New York et on va voir en combien de temps le dashboard revient. Effectivement, c'est quasiment de l'instantané. Donc là, j'imagine que mes utilisateurs vont être contents et que je vais pouvoir vraiment jouer avec mon dashboard et interagir avec. Donc, c'est plutôt intéressant. Et tu as vu, on n'a rien fait. Hein. Au final, on n'a fait qu'attendre que le moteur décide d'optimiser. Bah, tiens, il a décidé de lancer probablement une deuxième vague d'optimisation dans ton dos. Donc, on va le laisser travailler. OK, top. Alors maintenant que je me dis ça, parce que là, pour le moment, mes utilisateurs, ils m'avaient donné des informations, ils voulaient voir les vols entre plusieurs villes. Mais j'ai vu qu'il y avait une information qui était également présente dans le jeu de données, qui était les compagnies aériennes, et je les vois venir gros comme une maison. Ils vont me demander de pouvoir interroger le dashboard, interroger les retards en fonction des compagnies aériennes. Si j'utilise le NLP de Tableau pour faire tout ça, avec Anaxima, ça devrait être plus rapide, et ils ne vont pas avoir à attendre des heures que la base de données revienne, si je comprends bien. Bah, c'est bien ça l'agilité, et c'est pour ça que le moteur Anaxima est en mode auto-apprentissage. C'est que plus tu vas utiliser ta source de données, plus elle va s'accélérer. Donc, je t'invite à générer un nouveau pattern d'usage et à regarder ce qui se passe quand tu fais du NLP. Et ben, on va y aller tout de suite. À ce moment-là, on va essayer tout de suite et on va essayer de croiser les délais avec les compagnies aériennes. Et puis, on va regarder ce que ça donne à ce moment-là. On va regarder ce que ça donne. Cyril et Laetitia, tout à l'heure, hein, nos utilisateurs sont ravis d'avoir des dashboards. Ils sont très contents que ces dashboards aillent suffisamment vite, mais en fait, ils veulent aller plus loin. Donc, je vais regarder effectivement tout ça tout de suite et on va un peu transformer le NLP de Tableau en un peu le Google de notre data sur ce jeu de données et on va regarder ce que ça donne. Donc, on va regarder l'average arrival delay, donc le délai à l'arrivée. Arrival delay by Airline Company. My Airline Company. Donc là, je vais lancer cette requête-là. On voit effectivement qu'il y a une requête qui passe derrière et c'est quasiment instantané. En 3 millisecondes, on a les réponses qui viennent. Donc, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt intéressant parce que du coup, j'ai des réponses vraiment très rapidement sur les compagnies aériennes qui ont le plus de retard. On pourrait même imaginer que je puisse filtrer, par exemple, sur les départs de Chicago pour voir quelles compagnies aériennes prendre au départ de Chicago pour éviter au maximum les retards. Donc, je vais ajouter un filtre tout Chicago et on va voir s'il est toujours aussi rapide. Tac.
Et donc là, en 3 millisecondes, effectivement, encore, il revient et je vois effectivement que maintenant, les données sont filtrées sur Chicago et on voit qu'il faudrait plutôt prendre des compagnies aériennes comme Republic Airlines pour éviter le retard au maximum. Eh bien, écoute, moi, je suis plutôt convaincu. Je vais pouvoir proposer du NLP à mes utilisateurs sans pour autant qu'ils aient des temps d'attente extrêmement longs. Donc, ça me paraît plutôt pertinent. Je te rends la main éventuellement, Nicolas, pour que tu prennes la suite. Oui, je vais prendre la suite. On va parler un peu, on va reprendre les slides et puis doucement cheminer vers la conclusion de notre webinaire. Donc, merci pour cette démo, Alban et Fabrice, parce qu'en fait, on vient de voir qu'un dashboard qui pouvait être lent et bloquer des utilisateurs peut devenir instantané grâce à quelques clics et à un outil comme Indexima et permettre des usages plus derrière, aller vers ce que tu appelais le Google de la data, mais du NLP, et poser directement des questions. Et pour rappel à tout le monde, on est en train de jouer avec 1,5 milliard de lignes. Donc, c'est beaucoup. Alors, pendant cette démo, si je reviens sur ce que tu disais, Fabrice, tout à l'heure, un des points clés pour toi, l'un des trois piliers, c'était accélérer la mise en prod. Il faut savoir que dans la démo qu'on vient de faire, on a utilisé un Cloud Data Warehouse et un cluster Indexima, tous les deux déployés en quelques clics sur la marketplace, sur une marketplace d'un cloud public. Donc, pour la mise en prod, concrètement, ça a dû nous coûter à peu près 35 minutes à tout casser. Donc, je considère que le premier levier et que le premier pilier de tes axes, ton premier axe, est réglé. Le second, c'était raccourcir le temps qui mène à un indicateur métier. Alors là, on a vu un dashboard Tableau. Tableau, c'est le nom du sales service. Je fais des drag and drop, voire même, on est allé plus loin, on a fait du NLP. Donc, on a posé des questions non prévues à une data source d'un milliard de lignes. Et le combo Tableau plus Indexima a permis, et vous l'avez vu, on a fait une démo en 7 minutes à tout casser, de raccourcir ce temps métier. Donc, ça aussi, je considère que c'est validé. Enfin, tu parlais argent, Fabrice, et tu disais, ce monde-là, c'est génial, mais pour que ça marche, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Et de mémoire, tu parlais de trois points différents. Il ne faut pas que ça coûte trop cher au métier. Ben là, le métier, plutôt que d'attendre 6 minutes par heure, il attend 6 millisecondes à chacune de ses questions. Je pense qu'on peut considérer qu'il n'attend pas. On n'a pas du tout appelé tes devs. Je ne sais pas si tu as vu, Fabrice, mais à aucun moment, on s'est dit, tiens, il va falloir appeler un data engineer pour optimiser une data source, faire un extrait, faire de la transformation, ouvrir un outil. Non, on a juste déclaré des accès exactement les mêmes que ceux qu'on aurait fait dans Tableau au clic. Donc, l'équipe de dev ne nous a rien coûté. Et enfin, si on parle de l'infrastructure, ce que vous ne voyez pas dans cette démonstration, c'est qu'on a déployé un cluster Indexima de 2 nœuds, c'est-à-dire un cluster qui coûte 4 dollars de l'heure, au-dessus d'un cluster du cloud, qui est un cluster qui est particulièrement coûteux, parce que pour avoir les perfs que vous avez vues, les premières perfs, c'est-à-dire entre 10 et 40 secondes de temps de réponse moyen sur une requête, on était sur un cluster grand public à 256 dollars de l'heure. Donc, 256 dollars de l'heure versus 4 dollars de l'heure, l'équation est vite résolue. Donc, je pense qu'on a répondu à tes trois points, Fabrice, à travers cette démo Tableau on top d'un cloud data warehouse. En réel, il faut savoir que ce moteur Indexima est compatible avec tous les outils de DataViz du marché, de MicroStrategy à Power BI, en passant par Excel, Looker, Cognos, etc. Mais aussi avec toutes les data sources que vous pouvez retrouver en entreprise, le mot fichier avec des data sources on-prem, du Hadoop ou du NFS, le mot fichier du cloud, vos données peuvent être sur Amazon S3, sur de l'ADLS, sur GCP. Et aussi, et on vient de le voir dans la démonstration, on l'a vu sur un Cloud Data Warehouse, en fait, Indexima est compatible avec tous les Cloud Data Warehouse, et en réel, toutes les sources de données SQL. Et dans tous ces use cases, Indexima va pouvoir se positionner pour fédérer, simplifier, accélérer et réduire les coûts de votre data viz on top de votre big data. Évidemment, on peut déployer Indexima dans le cloud comme la démo, vous pouvez aussi, si vous préférez, le déployer on-prem, sur vos propres infrastructures à l'intérieur de vos châteaux forts.
Je pense qu'on est bien pour attaquer la session de questions. C'est parti pour les questions. N'hésitez pas à utiliser le chat en bas de l'écran pour poser vos éventuelles questions. Je vois que certaines personnes lèvent la main, donc n'hésitez pas à utiliser la box Q&A pour taper vos questions et on va les prendre. On en a déjà deux à traiter. La première, Fabrice, je pense qu'elle est pour toi. C'est la suivante. Quel est le temps de monter en compétence sur Indexima? Pour la prise en main d'Indexima, oui. On va dire, pour faire des choses en mode basique, comme on l'a vu dans la démo, en une demi-journée, on arrive très facilement déjà à implémenter pas mal de choses. Ensuite, bon, si on veut vraiment creuser et aller un petit peu plus loin, puisqu'on a quand même quelques options pour optimiser encore un peu plus finement, je pense qu'en 2 jours, en fait, on a fait vraiment le tour de la solution. Parfait, merci beaucoup Fabrice. La deuxième question, Nicolas, est pour toi. Comment fonctionne la synchronisation des données avec Indexima? Alors en fait, on l'a vu, Indexima est compatible avec énormément de sources de données et à chaque source de données, son mode de synchronisation. Je peux vous donner des exemples. Quand on parle à un data lake Hadoop, eh bien en fait, Indexima va se synchroniser avec le Hive catalogue. Et ça va être une histoire de rafraîchissement des partitions que vous trouvez sur votre data lake. Quand on est dans le monde SQL, si je prends par exemple un data warehouse type Snowflake, eh bien, en fait, Indexima et Snowflake se connectent à travers ce qui s'appelle un stream chez Snowflake. C'est une source qui est un équivalent de change data capture. Donc, toute l'historique d'une table est stockée et permet à Indexima de régulièrement se resynchroniser. Donc, très concrètement, en fait, Indexima se synchronise de manière automatisée avec les sources de données au-dessus desquelles il est positionné. Peut-être une dernière question, tu es passé dessus tout à l'heure, Nicolas, mais est-ce que tu peux nous rappeler avec quelles sources de données et quels outils de data viz se synchronise Indexima? Alors oui, je peux. Donc effectivement, c'est une question qui a été posée aussi dans le chat. Donc on l'a dit, hein, c'est un des éléments du webinaire, mais Indexima est compatible avec tous les outils de data viz du marché. Donc, c'est Power BI, c'est Tableau, c'est ClickView, ClickSense, même Excel. Tous les outils du DataViz du marché qui savent se connecter en direct query sur une source externe peuvent communiquer avec Indexima. Et d'un point de vue source de données, on est compatible avec des centaines de sources de données, tout le monde SQL et aussi tout le monde des data lakes et des fichiers qui sont déposés on-prem ou dans le cloud. Une dernière question, eu égard au temps. Quels sont les coûts de setup pour une solution existante déjà dans le cloud Amazon? Alors, en fait, Indexima est un cluster, donc vous allez choisir un nombre de nœuds. Sur la démonstration, par exemple, j'ai choisi 2 nœuds. Donc, j'ai installé un cluster Indexima avec uniquement 2 nœuds. Donc, je fais ça au clic dans la marketplace Amazon. Ces 2 nœuds me coûtent 4 dollars à chaque heure de compute qui passe. Donc ensuite, c'est totalement dépendant du sizing que vous positionnez au-dessus de vos datas. Si vous voulez un énorme cluster, eh bien, vous allez payer 2 euros de l'heure fois le nombre de nœuds que vous allez mettre en place. Et si vous mettez un tout petit cluster, vous allez payer 2 euros de l'heure fois le petit nombre de nœuds que vous allez mettre en place. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on a essayé de partager avec vous aujourd'hui dans quelle mesure les nouvelles exigences de l'analytique, parmi lesquelles le NLP, permettent de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs et avec 3 piliers fondamentaux respectés pour faire en sorte de bénéficier et tirer parti de toutes les transformations de la BI d'aujourd'hui. Bien entendu, ce webinaire est enregistré. Nous vous faisons parvenir les éléments sous 24 heures et l'ensemble de l'équipe reste à votre disposition. Pour les dernières questions, nous ne manquons pas de revenir vers chacun des participants pour y répondre. Très bonne journée.